Nat Geo Wild. Cette structure aussi étrange que fascinante s'appelle une chrysalide. Son apparence extérieure ne révèle rien de la métamorphose incroyable qui se déroule à l'intérieur. Deux semaines plus tard, le résultat sort au grand jour. C'est un papillon entièrement formé. Il ne lui reste plus qu'à attendre que ses ailes sèchent et se gonflent et que les deux parties de sa trompe se solidarisent. Les papillons vulcains également s'extirpent de leur cocon. Tout comme cet autre papillon, la vanesse de l'ortie. Le buddleia de David est communément appelé arbre aux papillons. Le riche nectar de sa fleur est un véritable aimant pour tous les insectes butineurs du jardin. Au milieu de toutes ces couleurs, certaines créatures minuscules passent souvent inaperçues. Comme cette araignée sauteuse. Grâce à sa vue perçante, elle sait parfaitement évaluer la distance à franchir pour se déplacer. Seul un fil de soie fait office de stabilisateur pour assurer le vol plané et la réception. Mais lorsqu'un mâle a la mauvaise idée d'atterrir près d'un rival, les débats s'échauffent très vite, surtout en présence d'une femelle.